Les murs, ils sont pas faits pour peindre dessus. Hein. J'ai réussi à les apprivoiser avec mon travail, à leur donner une vie, je crois. Il faut qu'il y ait un parfum de ce qui était, de ce qui ne serait plus. Les appels sont à la vente. Ouais. C'est un des bâtiments les plus flingués, il y a le tronc qui est là. Et puis il y a une tente. C'est impressionnant. Je vais appeler ce magnifique endroit, aussi une région où les oiseaux migrateurs font leur halte en novembre, alors qu'il est. Les Sud-Afrique. Le printemps, c'est pareil. Les hirondelles se déplacent assez rapidement. Ensuite, il y a des huppes, ensuite, il y a des guêpiers, c'est magnifique. Les Orpelières en 97, c'était donc notre première visite avec ma sœur Yanitsa. Et c'est un souvenir vraiment merveilleux. On était dans une ambiance de vacances, c'était l'été. Et mon père nous présentait comme ça cet endroit improbable dans lequel il avait atterri 3 ans plus tôt. Là, de manière générale, il y a une compétence. Et j'ai le souvenir vraiment d'un choc quand même, à me dire quand même, il a investi cet endroit qui était extraordinairement grand, hein, puisque ça fait quand même 450 mètres carrés. Donc il y avait vraiment ce côté, c'est incroyable ce qu'il a fait, c'est incroyable. Enfin, c'était aussi, je pense que je l'ai compris déjà à l'époque, je sentais que c'était vraiment l'expression d'un artiste libre, très libre. Pap, tu me rends une dans les saguettes. Et ce qui aussi me touche beaucoup quand je repense à cette visite, c'est de me rendre compte, quand je revois ces images, à quel point il nous impliquait aussi dans son aventure en fait, créative. On était vraiment presque partie prenante. Alors les Orpelières, c'est une ancienne cave vinicole désaffectée, recouverte de tags. Donc c'est situé pas très loin de Béziers, dans l'Hérault, dans le sud de la France. Et Dado commence à intervenir à l'invitation d'André Gélis, l'ancien maire de Sérignan, et de Pete Moger, qui était un de ses grands marchands. Il commence donc à intervenir sur les murs à partir de 1994, en plein conflit yougoslave. D'abord, le point, je pourrais dire, de coup de cœur de Dado pour ce lieu, c'est d'abord un lieu très sauvage, qui lui rappelait sa nature, son pays, le Monténégro, c'est qu'il était, c'est-à-dire, il n'y a pas d'habitat, il n'y a pas de commerce autour, il n'y a rien. Mais surtout, les lieux étaient en voie de destruction. Les tuiles des toits s'effondraient. À part la cave qui était en bon état, tout le reste était en très mauvais état. Et si bien que Dado a dit, j'interviens sur ma Yougoslavie. Et donc j'ai dit, pourquoi tu me dis ça? Elle m'a dit, parce que c'est mon pays. Ce que tu as là, tu vois, c'est ce que va devenir mon pays, tu vois. Ils vont s'entretuer entre eux et voilà ce que va devenir la Yougoslavie.
Ce sont des lits d'hôpital, parce que papy, quand il a investi cette cave, c'était en plein conflit en ex-Yougoslavie. Je t'ai déjà parlé de la guerre en ex-Yougoslavie. Et chez papy, ça a vraiment déclenché beaucoup de réminiscences aussi de la Seconde Guerre mondiale et tout ça. Et il y a quelqu'un, un poète, qui a employé une expression très juste sur cette œuvre. Il a dit que c'était un Guernica en couleur. Je crois que la comparaison est superbe. Les Orpelières sont effectivement une sorte de Guernica en couleur, au sens où il y a cette vision historique extraordinairement fascinante, avec une œuvre d'art totale qu'on peut appréhender de mille manières. Et c'est ça, je crois, la définition d'un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre, c'est une œuvre qu'aucune interprétation n'épuise. C'est une œuvre où on la regarde, on a toujours quelque chose à découvrir. Et dans l'étoile de Dado, c'est ça qui rend fascinant cette toile, on y voit toujours quelque chose de nouveau. Des réminiscences de la Seconde Guerre mondiale, avec la représentation des deux partisans pendus sur la place de Sétigné en janvier 44. Voilà, scène qui a été évidemment très traumatique pour Dado. Et Dado m'a expliqué que dans sa jeunesse, il avait vu donc dans son village des percements qui avaient été mis, qui avaient été suspendus aux arbres et pendus, et qu'il les avait laissés là 10 à 15 jours. Et ils m'ont dit, il les mettait là comme les bécasses, parce qu'ils savent que, dans le terme de chasseur, il avait vu ça dans sa jeunesse. Et ça, ça l'avait profondément marqué. Et il y a eu ce rappel de sa jeunesse, quand il a vu les pendus de Sétigné, qu'il a voulu remettre donc à Sérignan. Ça a été quelque chose pour lui, il est tenu ça. Il a tenu à faire ça. Il a fabriqué des sculptures extraordinaire à partir des bouts de bois qu'il a légèrement peint. Il a incrusté des têtes de poupées dedans, comme on voit quand il y a des fois des bombardements, que les gens sont coincés dans les murs, dans les arbres, partout. Cette carcasse est bien éclairée, là, tu vois, là. Ici, c'est magnifique. Son verre est éclairé aussi. Le support est au milieu, tu vois, c'est pas un support agréable. Hein. D'y amener des voitures accidentées. Donc on fait transporter des voitures accidentées dans les Orpelières. Et le site était fermé, mais avec un portail barraudé, c'est-à-dire que ce n'était pas des volets. Et donc quand il revient, 3 mois après, les voitures qu'on avait amenées avaient été criblées de balles. Donc des gens étaient venus, ils avaient des armes, des gros calibres, et ils avaient tiré sur les voitures. Et Dado m'a dit, tu vois, regarde, tous les gens sont armés, c'est des soldats pour faire la guerre, etc. Ce qu'il a voulu, c'est montrer les différentes horreurs de la vie qu'il y avait et que, malgré ce qui s'était passé jusqu'à présent, l'humanité n'en avait pas tiré les conséquences. On continuait toujours à s'entretuer, on n'arrêtait pas les guerres et la violence dans la société. Il a fait un travail impressionnant en pratiquement 5 ans. Mais en ne venant, comme je vous l'ai dit, que 4 fois ou 5 fois par an. Et chaque fois qu'il travaillait, c'était 4 jours, maximum 5 jours. Il a donné à la vie, rien, il n'a jamais demandé un centime, rien. Si j'étais resté là, si on ne m'avait pas su une commande, comme on dit, si vous me donnez même à la compte, j'aurais rien foutu. J'aurais pu rester là pour 3 mois, j'aurais tout refait, je les aurais recouverts en blanc, j'aurais laissé plein de choses. Mais le fait de faire des virées en train, en bagnole, en TGV, en vélo, tu vois, ça fait beaucoup de kilomètres. Tu vois.
à ce moment-là, ça prend une... ça prend un corps. Pourquoi est-ce que le fait d'avoir balayé du regard les paysages, sa phase des centres de milieu, d'avoir une bastion, d'avoir froid, d'avoir chaud, et tout ça, est-ce que c'est ça le carburant, si tu veux. Je brûle tout ce côté espace et luminosité. Mais ce qui est aussi très intéressant dans cet endroit, c'est que ça réunit deux choses qui le fascinaient en réalité, c'est-à-dire à la fois les tags, c'est-à-dire ce langage urbain qu'il découvre à New York en 62 lors de son premier voyage, et puis justement ben voilà, toute cette dimension naturelle, lui qui était totalement fasciné depuis l'enfance par les sciences naturelles grâce à sa mère qui, comme vous le savez, était professeure de sciences naturelles. Dadot était un naturaliste, un ornithologue en particulier, et dans les archives que l'on a pu trouver, il évoque très régulièrement le fait qu'il est inspiré par le passage des oiseaux migrateurs. Il identifie certaines espèces d'oiseaux très précisément. Il a vraiment un côté scientifique en plus de sa capacité d'artiste. Il se définissait lui-même comme un ornithologue amateur. Et donc, évidemment, on voit, même sur ses murs, on voit des représentations d'oiseaux. Voilà, il est totalement inspiré, captivé par cet environnement exceptionnel qui lui offre en fait une liberté de création et d'expression qui, à mon avis, ont rarement été égalée. Toujours dans cette perspective de sciences naturelles, cette confrontation, cette prise de risque en s'attaquant effectivement à un support qui peut disparaître, qui est susceptible d'évoluer. Et c'est précisément ça qui fait tout l'intérêt de sa démarche. Il n'est absolument pas dans quelque chose de fini. L'idée de ce qu'on appelle aujourd'hui l'obsolescence, évidemment, est très intrigante chez Dadot parce qu'il y a ce côté évidemment de l'art qui est une lutte contre la mort, un cri de vie. Mais en même temps, ce qui l'intéressait, c'était de tenir compte de la vie elle-même de l'œuvre. Il n'avait pas une vision sanctuarisée, il n'avait pas une vision pharmaceutique, il n'avait pas une vision sacralisée de l'art. Il avait, si je puis me permettre, l'idée que la toile était vivante. Et au fond, ça, je crois que c'est très original, très inédit, et très contemporain comme position. Ici, il n'y a pas de reprise. Parce que chaque intervention laisse une trace, tu vois. Et ce sont des superpositions, des moments comme ça, étalés sur une année, un peu plus d'une année. Bon, donc, on peut sentir un parfum de novembre, de janvier, c'est une espèce de peinture de calendrier en plus. Parce que je me serais entêté à terminer quelque chose, à aboutir. Ça s'aboutit tout seul parce que le temps passe. Si tu veux, ce sont des murs qui prennent des rides. C'est les arbres, pour de bon. Ah, je crois que dans le choix des murs, des parois, évidemment, on peut voir beaucoup de raisons. J'en vois quelques-unes qui me viennent à l'esprit de manière principale. Tout d'abord, évidemment, la grande dimension. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'immersion, d'œuvre d'art totale. Et je pense que dans l'idée d'avoir des parois à occuper, pour Dadot, c'était pour lui à chaque fois un défi. On sait son intérêt pour les toiles de très grande dimension. Là, il y avait évidemment tout un univers à investir. Et le sentiment que j'avais, c'est que, évidemment, il trouvait là un matériel qui parlait déjà, et des gens qui parlaient sur les murs. Il n'était pas seul, c'était pas justement la chapelle ou le blockhaus, c'était quelque chose qui tout d'un coup s'imposait à lui comme un élément de vie. Et je crois que ça l'a beaucoup intéressé.
même les difficultés, l'humidité des murs, tous ces problèmes qui allaient contre son intervention, d'une certaine façon, étant donné son tempérament, il les absorbait et adieu va. Enfin. On sait que Dado avait pleinement conscience du fait que l'œuvre se dégradait. Pendant les 6 années de travail, il voyait bien que certaines de ses peintures étaient en train de disparaître, ou il peignait aussi sur des zones qui s'étaient empoussiérées entre-temps. Cette dégradation faisait plus ou moins partie de l'œuvre. Je sais aussi que c'est un endroit là, en zone inondable. C'est-à-dire que par tous les ans, mais tous les 2 ou 3 ans, il va y avoir la mettre de flotte. Enfin, moi, tout ce qui est peint à ras de sol va se barrer. Quoi. Donc, il faut se dépêcher à les filmer. Quoi. Mais oui, c'est quand on se dépêche pour interviewer un vieux vivateur qui n'est pas très jeune. Oui, dépêchez-vous. Il considérait que aux Orpelières, cette œuvre était une sorte de manuscrit dont l'encre ne séchait pas. Et sur laquelle, du coup, il avait besoin de réintervenir régulièrement. Et c'est aussi pour ça qu'il est revenu pendant 6 années, régulièrement, pour pouvoir compléter son œuvre, retoucher l'œuvre. Et désormais, ces nouvelles interventions, finalement, sont de la responsabilité d'autres personnes, comme le Conservatoire du Littoral, la DRAC Occitanie, enfin, le ministère de la Culture, et les conservateurs qui interviennent en ce moment. Mon objectif, et l'objectif du Conservatoire, était de faire en sorte de partager avec le plus grand nombre de personnes possible, l'émotion que l'on peut ressentir en entrant dans ce bâtiment. Et je pense que là, Dado a une vision tout à fait inédite, qui fait que j'espère que ça sera un lieu qui sera plus connu. L'opération de restauration actuelle, qui je crois s'achève ces jours-ci, permettra de redécouvrir et qui aura un coup de projecteur sur ce qui, je pense, est un des grands chefs-d'œuvre dans notre pays, Dado. On peut dire qu'il en est de même pour beaucoup d'œuvres d'art. En réalité, toutes les œuvres d'art ont besoin d'un travail de restauration, d'intervention à un moment donné. Mais c'est vrai que chez Dado, on va dire que c'est plus particulier et plus renforcé, plus spécifique encore. Voilà, donc je suis vraiment ravie que ce projet prenne forme dans de très bonnes conditions avec une équipe formidable, de gens extrêmement motivés, très sympathiques et qui ont vraiment une approche très fine et intelligente de justement de là où ils doivent s'arrêter, enfin du degré d'intervention hein, qui est parfois pas forcément si simple à déterminer. Ils venaient, ils voyaient que ça se dégradait, ils reprenaient, mais la notion de faire un travail qui soit dans le temps, qui perdure dans le temps, je ne pense pas que c'était sa préoccupation, lui, puisqu'il était présent, donc il le faisait durer dans le temps. Mais qu'il avait, je pense, un souci à la fin, on sent qu'il y a des phrases qui lui disent il aimerait bien que ça perdure dans le temps, mais lui, il faisait rien pour que ça perdure. Quand on a commencé l'étude préalable, c'est-à-dire le diagnostic pour l'état de conservation des peintures et des sculptures, on s'est assez rapidement rendu compte qu'il y avait une grande hétérogénéité dans l'état de conservation des œuvres de Dado aux Orpelières. On a compté environ 355 mètres carrés de peintures, plus 27 sculptures-objets. Peut-être qu'il en manque quelques-unes, mais voilà, c'est ce qu'on a répertorié au moment de cette étude. Dans notre action, on essaie de voir sa pensée, son énergie, son restituer. Nous, on est au service de préserver cet esprit. Et donc, on ne va pas interpréter, on va essayer de surtout pas aller trop loin dans ce qu'on va faire. Donc, c'est aide humanitaire en monténégrin. C'est cyrillique. Donc, c'est vrai que c'est. Alors, sur le.
L'élément, il nous reste, la trace, un peu effacée. Donc je vais juste rehausser un petit peu pour que ça soit de nouveau lisible. On a beaucoup travaillé avec les photos. Et puis, par rapport à la scénographie, la remise en place des sculptures-objets, effectivement, là, encore une fois, on a beaucoup travaillé avec Amarante. Le projet n'est pas tout à fait terminé. Ces questions de scénographie sont encore en cours. On est reparti, on s'est fixé comme critère de repartir de l'état de 1999, donc la dernière année de travail de Dado aux Orpelières, à partir des photos et des témoignages qu'on a pu récolter. Il faut quand même essayer de comprendre, effectivement, en bougeant dans l'espace, pourquoi il avait positionné ça de cette façon. Quand on parle de correspondance entre les éléments, là, on peut le voir sur cet ensemble, avec les éléments qu'on a pu mettre à jour après le dépoussiérage. Quand on est arrivé, on pouvait à peine voir des couleurs, finalement, tellement c'était recouvert de poussière. Je peux vous montrer une photo. Voilà. Là, on a vraiment un élément qui est complètement... On discerne à peine la couleur. Hein. Et voilà, c'est ici. Donc on voit vraiment l'objet. Alors on a repositionné chaque élément du mieux qu'on pouvait. On avait tout documenté avant. On a repositionné du mieux qu'on pouvait tous les éléments. Et on a vu apparaître des petits yeux comme ça sur quasiment chaque élément. Ils sont parfois un peu cachés. Voilà, ici. Même ici, là, il y a un petit œil. Donc là, c'est important. La documentation, au départ, était très importante pour... On peut imaginer que ça a été mis un peu au hasard, comme ça, mais en fait, non. Non, il y avait quelque chose. C'est peut-être pas au millimètre près, mais quand même, quand on repositionne bien, on les voit, et si on les positionne pas à quelques centimètres, on les voit plus. Ça, c'est intéressant, parce qu'on les voit effectivement partout. Bon, il y a les personnages, ils ont des yeux, évidemment, mais on voit sur des objets. Sur des objets, là, comme ça, tout d'un coup, un œil, on le retrouve, on retrouve ça un peu partout, effectivement. Ce sont des yeux qui observent, c'est ça. Ce qu'on se dit, c'est que probablement il aurait été très heureux qu'on intervienne sur ce site pour lui permettre cette redécouverte, puisqu'il avait témoigné à plusieurs reprises du fait qu'il voulait que les Orpelières ne disparaissent pas, que peut-être il était allé un peu trop loin dans cette prise de risque. Après, il faudra se poser la question de savoir comment il aurait aimé que vive cet endroit par rapport à voilà, son ouverture au public, comment il aurait aimé que ce lieu soit présenté. Donc quand on est arrivé ici, on a pu observer tout de suite ce vélo qui était positionné contre un mur, comme s'il était parti hier. Et tout le monde a tout de suite considéré que ce vélo avait de l'importance, il y avait quelque chose, le passage de Dado. Donc on s'est dit on va le conserver. On l'a positionné à l'entrée comme s'il venait d'arriver. Et voilà, ça, on a fait en sorte de bien le conserver. Il y avait un chat ce matin qui traînait. Je me suis dit, tiens, c'est Dado qui regarde. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça l'intéresserait? Est-ce que je dirais c'est n'importe quoi? Justement, oui, ben, en fait, dans notre manière d'intervenir, on garde cet esprit-là. S'il revenait, est-ce qu'il trouvait ça ridicule? Justement, je pense qu'il y a des zones, voilà, et non, puisqu'on va pas, les zones qui sont vraiment tombées, on va pas nous commencer à reprendre, on laisse se dégrader. On ralentit un peu cette dégradation pour qu'on en profite un peu plus longtemps, c'est un peu tout ce qu'on fait là. La chose artistique, à part l'étagère, ne m'intéresse pas. Donc, il allait voir une nouvelle. Un nouveau accrochage, de l'accrochage, de la musique, tout ça. Je ne suis pas parce que je suis fini de regarder les tags le long de la 14. Et lui, ce qu'il aimait chez les taggers, c'est que c'était tout l'opposé de ce qu'il faisait des bandés. Il appelait ça des peintres en chevalet, tu vois, des peintres en chevalet. Des mecs qui bossent dans leur atelier, qui sacralisent leur petite toile de merde, ne touche pas, attention, c'est pas sec. Et puis pour montrer des tableaux, tu as besoin d'un carton d'invitation dans une expo. Là, les taggers, c'est tout l'inverse. C'est gratos. C'est dans la rue, tu n'as pas besoin de carton d'invitation pour voir le travail. Et puis, les taggers, ils font des choses illégales, donc ils font ça avec leur trip. Et tu te fais attraper, c'est toi qui payes, tu vois. C'est l'inverse.
pour peindre, machin. Je pense que c'est cette liberté-là qu'il aimait bien, quoi. Du teint pur. Ça, c'est du teint pur, ouais. C'est qui a fait ça? C'est Stéphane. C'est Stéphane, ouais. Du teint pur, très violent, je trouve. Ça tient bien avec le reste. On fait toujours du teint. Et donc c'est vraiment ici qu'on a commencé. Pour moi, c'est une des pièces les plus fortes parce que c'était ici où il y avait vraiment le plus de vie tout le temps du monde. Comme là, vous voyez, ça a été peint avec vraiment... bon, ça a changé parce que c'était il y a 20 ans, mais c'était blindé, c'était vraiment vivant. Voilà, c'était pas un espace vide. Et sur la même table où Dado était là, et moi, j'étais juste ici quand il m'a demandé mon cahier de texte. La première fois que je lui ai montré mes tags, et c'était la première personne à me dire sérieusement que c'était bien. J'avais 16 ans, 15-16 ans. On déjeunait, on dînait très souvent avec Essie, qui était en face, Dado, et puis d'autres amis. Il y avait toujours du monde. Et alors, je ne sais plus qui a eu l'idée en premier, je ne sais pas si c'est Pascal ou Dado. Et c'était d'intervenir directement sur les murs. Sur l'ambassade de la 4e internationale, alors c'est donc une maison de particuliers, moi j'avoue, une maison dont les Catries, un couple et le propriétaire, et Dado, ça s'inscrivait un petit peu dans la continuité de ses travaux de peinture murale, et il a décidé d'en faire une ambassade de la 4e internationale, car le couple en fait est trotskiste. Donc c'était une sorte de... pas de farce, mais voilà. Et donc du coup, il a fait une collaboration avec Stéphane Bosch, le tagueur, là-dessus. Et c'était une façon aussi de prolonger aussi ce dialogue aussi avec les tagueurs, voilà. Et donc il a vraiment investi la cuisine, le salon, enfin c'est très impressionnant. C'est vraiment, ce sont de belles peintures murales, voilà. C'est encore un autre endroit dans lequel... il a déployé toute son énergie créatrice. Ce qui l'intéressait ici, c'était que les murs étaient déjà très dégradés. Et ça, il adorait. Alors, il avait son pinceau comme ça. Il venait tous les jours un quart d'heure avec un pot. Et je lui ai dit un jour, qu'est-ce que tu fais, Dado? Il me dit, j'occupe l'espace. Ah, c'était beau. Il était repassé par-dessus moi et tout. Ça m'a foutu la rage. Je comprenais pas. Et donc, je suis reparti de plus belle. Et voilà, et ça a été une sorte de jeu, une joute picturale, on va dire. Et donc, voilà, c'était le début de notre collaboration. Un virtuose, quoi, vraiment. En deux minutes, papa, il y avait un personnage qui apparaissait. Et derrière chacune de ces fresques, il y en a 15. Parce qu'il pratiquait construction, destruction, construction, destruction. Et moi, j'avais le pinceau blanc et j'ai recouvert énormément de morceaux de fresques. Et j'étais à ses ordres. Il y avait une vraie vie. C'est pas... lorsque ça bossait, on n'était pas là, au garde à vous, je chute pas un bruit. Non. Ça vivait. T'as Laura qui chantait. Laura, c'est une super grande chanteuse lyrique. Non, mais voilà, il y avait voilà, un truc magique. C'est ce qui a fait que ça a bien fonctionné, quoi. Mais dans nos premières rencontres, il savait que je chantais, et il m'avait demandé de chanter. Alors, j'avais chanté un air de Puccini, de la Bohème. Et il m'a dit, assez charmant, mais le 19e siècle, c'est des compositions de merde, bourgeoises. Et c'est comme ça qu'il m'a initié à la musique baroque. Handel, Bach, tout ça, je ne connaissais pas du tout. Et donc, quand il est venu ici, il nous baignait de cette musique magnifique. Et là, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que sur là, ce qui nous reste, c'est vraiment une infime partie de ce qu'il y avait. Et là, en exemple, il y a... je me souviens que tout en haut, là, ce qu'on voit en rouge, c'est un T et un I, parce qu'en fait, il y avait Tito. Il m'avait demandé de marquer Tito, j'avais écrit plein de noms qui me demandaient, et donc là ça s'est transformé, voilà. On a mis du blanc, on est reparti par-dessus,
On voit bien les doubles recoupages. Voilà, il y a plein de. Il y a toute une élaboration qui faisait qu'au quotidien, ça évoluait. On était d'accord sur une étape et tac, il revenait. Changer tout, okay, d'accord. Et c'était ici, sur ce mur-là, avant même ce personnage-là, où il m'avait demandé de faire une étoile rouge, et c'est un soir, on a décidé avec Pascal Dado et moi de baptiser cette maison l'ambassade de la 4e internationale. Tac. Donc c'est sur ce mur-là que tout est parti, quoi. On était pris dans une effervescence, un tourbillon. On ne s'attendait pas à ce qui s'est passé, mais on sentait que voilà, il y avait quelque chose de vivant, un mouvement qui se mettait en place, oui, bien sûr. Il commençait à 6h le matin, il arrêtait à 22h le soir, oui. Il travaillait sans arrêt. C'était un monstre de travail. Et je pense qu'il, comme disait Amarante, je crois qu'il avait l'œil sur tout, quoi. Il avait des choses à récupérer. Pour nourrir tout ça. Ça vient pas de nulle part. Il m'a donné énormément, tu vois, sans me le dire. Mais, il m'a appris à dessiner, il m'a appris à peindre, il m'a appris. J'ai fait les beaux-arts avec lui, quoi. Pendant 15 piges, je pense que j'ai de la chance, quoi. J'étais tellement précis, mais avec une bombe, quoi. Et ce qui est mortel, c'est que là, il est droitier, parce qu'il a toujours été droitier. Oui. Ben non, parce qu'après, là, sur l'échelle, il descend bien, tape main gauche. Et il est trop bien. Ça fait du bien de le voir en vert. Ouais, au moment. C'est ce côté caduc qui m'intéresse dans la peinture. C'est pas fait pour durer, c'est fait pour frapper, pour nous rappeler la fragilité des choses. Mais par une force qu'on doit atteindre le plus grande qu'elle soit. Jusqu'à la fin de sa vie, mon père créait, oui, c'est vrai. À l'hôpital, donc il sortait d'un coma qui était très traumatisant pour lui. Il a peint sur la première chose qu'il a trouvée, des Kleenex en fait. Donc c'est une série qui s'appelle Kleenex Réa, qui est magnifique, qui est juste avec au stylo bic bleu. Et c'est, voilà, on sent que chez lui, l'art, c'était une urgence vitale, hein, en réalité. Il n'était pas dans le paraître, dans les faux-semblants. C'était vital, essentiel. Et c'est en ça que je pense que c'est un artiste exceptionnel. Je crois qu'avec Dado, on a l'exemple type d'un artiste. On peut penser à Picasso, pour un des exemples les plus connus du XXe siècle, où en gros, tout ce qu'il touche, il le transforme en or. On a l'impression des premières aux œuvres ultime d'une extraordinaire odyssée dans un univers complètement particulier. Vous savez, c'est un peu quand on voit l'œuvre d'un artiste, on dit « c'est un ». Ben là, on dit « c'est un Dado ». On ne peut pas le comparer à un autre, il est unique. J'essaie de comprendre un alphabet que j'essaie d'inventer et que je sais sûrement que je ne comprends, je pourrais jamais lire. Le monde là où je vis, c'est le monde que je fabrique autour de moi. C'est un moyen de me sentir tout simplement vivant. Je vais citer un écrivain qui s'appelle Pierre Guillotat qui disait son problème maintenant, c'est comment il peut vivre avec tout ce qu'il a écrit. Et moi, c'est un peu, je pense qu'il a parlé à mon propre nom.